ce fort-là a été construit, je ne sais pas, je ne saurais vous dire avec exactitude quand même la date, mais on peut estimer ça au-delà de 200 ans quand même. Et ça avait bien dans le temps avec la razzia. Donc c'était des Touaregs tantôt, bien des Arabes qui viennent faire la razzia au niveau du village. Donc les gens n'avaient pas autre solution, ils n'avaient pas d'issue. Ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est le tourisme, vraiment. Et du coup, vraiment la commune ne profite pas de cet endroit, vu vraiment l'insécurité qui est là. Un arabe qui était venu de la Turquie, selon les informations que nous avions reçues. Celui qui a donné l'ingénieuse idée aux gens de construire ce fort-là. Donc, le fort a été construit et le fort est là. Vous le voyez jusqu'à présent, c'est solide, ça tient bien. Ça, c'est des grenis, tout ce que vous voyez. Dans le temps, il y avait un puits aussi ici à côté, il y avait un puits là. Bien que les gens ont toujours passé, ils ont toujours dit qu'il est vraiment impératif, il est nécessaire d'écrire ça au patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est pas. Et la population, vraiment, on se retrouve à travers ce fort-là. On se retrouve à travers ça. Ça fait partie de nos cultures. Et ça fait partie quand même de toute notre histoire.